Non, si je parle dans un micro, c'est pour avoir le détail de ce qui se passe au présent, parce que j'aurais pas, j'ai pas la mémoire assez perfectible pour pouvoir avoir tous les détails de ta mauvaise foi au quotidien. On peut plus. Il n'y a plus rien à faire. La meuf, elle a blindé son cœur, sa tête, c'est bon. Elle a fait tout ça, elle est même pas partie avec Dominique dans le bassin. Elle est marche, marche toute seule. Non mais oui, c'est pour ça que c'est encore possible en plus, que tu l'as pas fait. Mais... Oui, elle est partie pour boire à manger, la pauvre petite. Non mais t'as des sous sur ton compte pour boire et à manger, t'as même les sous pour... Et t'as même ta mère qui t'a dit en cas de problème grave, on pourra trouver une solution, etc. Apparemment c'est pas encore... C'est pas les ruiner tes parents, voyagent tous les 24 matins. Non, moi donc ce que je t'explique. Tu croises la route d'un connard, de quelqu'un non, qui est toi méchant. Qui... Non, mais c'est toi à qui. À force de plusieurs c'est toi qui as joué avec mes sentiments. C'est en toi fait, qui es. On se dit attends, je vais pas subir. Je vais pas faire. Non, mais je pas subis ta présence. Mes parents pour parce que j'ai croisé la route d'un connard. Non, parce mais en fait, mes parents, ils y sont. Moi, j'ai croisé la route d'une connasse, alors d'une manipulatrice, c'est du fils. Tu sors jamais, donc tu pouvais pas croiser ma route. Mais si, j'ai croisé ta route. Tu n'y pouvais pas, c'est moi qui suis là. Mais venu ici. En fait, t'es tellement glandeur que tu sors jamais. Non, mais ça, je n'ai jamais croisé. Non, mais. Alors là, du coup, on va dire, j'ai l'impression que. Et c'est ça, en fait, qui peut me sauver, les êtres comme toi. Ou s'il y a une force au-dessus de nous, là, elle t'a fait un cadeau, quoi. Elle t'a fait un cadeau. Elle t'a fait un cadeau. Parce que putain, le gars, pas foutu de bouger son cul depuis 4 ans, même pas foutu de s'habiller. Ah non, mais tout est jugement si tu veux, j'ai voyagé moi. Mais. Je veux dire, même quand j'avais plus d'eau, même plus d'argent, quand même, j'en étais pas là. Mais oui, mais t'es un jugement permanent. C'est un point de vue, mais bon, toi, c'est un tableau général. C'est qu'on sait que t'es morbide, en plus d'être merveilleux. On sait que je suis morbide, je suis un méchant morbide. La sexualité. Ouais, t'as raison. Tu lui fais l'amour avec le plus belle des attentions possibles que tu as, etc. La nana, elle arrête de gigoter, car elle a eu son plaisir, et c'est ta faute si son plaisir est redescendu, tu vois. Mais non, mais j'ai jamais connu, une nana qui, au milieu de l'acte, me dit stop, s'il te plaît. C'est juste logique. Toi, t'es une montagne russe. Tu montes vite, tu montes vite, mais tu redescends vite. Et après, une fois que t'es descendu, pour te refaire monter, c'est le bordel. Je vais le faire tout à l'heure, mon courrier pour le commissaire du Pilat-sur-Mer. Et ça, cette force, c'est clair qu'elle vient pas de toi. C'est moi qui viens la récupérer. C'est moi qui viens regarder en miroir. C'est moi qui suis en train de dire, ok, j'ai fait le courrier le mois. J'ai fait. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, c'est des chiens. Mais je vais le faire. Et je pense qu'après, normalement, si j'entends la femme narcissique victime, peut normalement penser que c'est encore mon viol qui va traîner derrière. Ouais. C'est logique parce que j'ai pas pris de thérapie. Moi j'ai envie de te dire, tu crées toutes ces histoires pour te donner de l'importance, pour avoir des toi. Mais bien sûr. T'es tellement un connard, t'es tellement méchant. Ah oui, je suis tellement méchant, je suis tellement un connard. Bah, tu vois, j'ai jamais. Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré. J'ai pas dit qu'il y avait plus de bonhommes. J'ai dit que ta statistique où il y a un bonhomme qui meurt pour 1000 femmes qui meurent, c'était n'importe quoi. Quand je suis allé vérifier, il y a 20% d'hommes qui meurent sur les mains de leurs femmes et 80% de femmes qui meurent sur les mains de leurs hommes. Quand tu regardes la statistique annuelle à l'échelle de la France, tu as à peu près 140 décès conjugaux par an en France. Donc, non, mais à partir du moment où quand moi je t'avance les chiffres et que je te dis que tu dis n'importe quoi sur le fait que t'as 1000 hommes qui tuent les femmes pour une femme de temps en temps qui tue les hommes et que t'es soumise à cette comment on pourrait dire, manipulation d'esprit. Je crois que ouais, c'est ça. Si vous étiez mort. Voilà, alors là on arrive au moment, si vous étiez mort on serait heureuse, donc tu souhaites ma mort à plusieurs reprises, tu l'as fait. À des pervers et des violeurs, je suis carrément un violeur. Je pensais pas des pervers comme toi. Ah, je suis un pervers et un violeur, la totale. Allez, vas-y, rajoute. Non, mais c'est justement à cause de nana comme toi qu'après on se met à plus croire celles qui sont vraiment faites violer et violenter, quoi. Non, mais ton problème de logement est dû uniquement à toi qui refuses d'aller là où t'as des logements. Bien sûr, dans un garage où ton père. Bah c'est possible, tu vois là il y a un endroit où tu pourrais dormir, quand t'as pas le choix tu prends ce qui est à portée. Quand la nana,
de l'assistante sociale. Quand la nana de l'assistante sociale te propose un spot à Saint-Denis et que tu dis que c'est trop loin de ta de tes spots de beuverie, ben c'est n'importe quoi. Et ce que j'avais dit, c'est que ça marche plus. Ça marche plus parce que je t'emmerde et tout a été démonté. C'est juste pour te montrer que c'est... Pour montrer quoi? Ça sert à rien. Ton personnage est démasqué. Mon personnage est démasqué. Il est battu. Et mon personnage est battu. Je vais quand je vais te quitter, que je vais quitter ta baraque, je vais donner le mot sur ta chaîne. Bah oui, oh putain. Je pense qu'il va y avoir du... Mais vraiment, on t'entend là, sur ma chaîne déjà. Il va y avoir du grain à moudre pour les psychiatres, dis-le. Hein. Non, mais on t'entend. Parce que toi, t'en as donné hein, là, du filon. Ouais, entre ta perversité sexuelle, ta morbidité, ma perversité ton incapacité sexuelle. À rien faire. Non, pour toi, la perversité sexuelle, c'est un homme qui pendant 20 minutes te lèche la chatte. Non, mais faut tout, le dire. Et tout le monde. Pour toi, ah oui, et j'ai oublié le pervers narcissique qui ne peut pas blairer la spiritualité. Comme il supporte pas le spirituel, il supporte pas de se poser des questions, ça fait mais trop mal. Mais écoutez une vidéo, tu confirmes 22 points sur 30. À sa conscience. Et on arrive à la fameuse question pour moi. As-tu une conscience? Mais pourquoi tu viens chercher mon regard? Pourquoi tu étais là-bas et maintenant tu te mets devant je moi? Je vois qu'il n'y a rien dans tes yeux. Il n'y a rien, mais c'est les tiens qui sont vides. Il n'y a rien. Je fais que revenir en moi. T'es une et noir malade. Et vide, comme t'es une malade menteuse qui s'invente des histoires, mais réveille-toi. C'est fascinant quand même. Mais réveille-toi. Que le truc il est dit. T'es en train de détruire le seul mec qui était vraiment prêt à tout pour toi. Tu vas aller te faire avoir par n'importe quel des connards. Mais qui sont proposés. Qui te laisse. Bah, y en a plein qui sont proposés. Moi je suis une femme de valeur, etc. Bah va avec ces mecs là. Mais moi tout ce que je vois, c'est que t'es une connasse qui projette sur moi tout ce que tu es. Vas-y. Je te le renvoie, vas-y. Non mais moi j'attends que tu t'en ailles. Va te faire enculer un coup, va te faire mettre et après tu seras mieux. Va te faire enculer avec un mot. Non, enfin, tu vois t'es une merde. Tu vois, opposition systématique. C'est tellement maladif que tu peux pas. Même quand je te l'ai dit, je l'ai ciblé, je l'ai pointé du doigt, je te l'ai partagé, je te dis tiens t'as vu les psychiatres ils disent que le père narcissique, souvent, c'est quelqu'un qui a non, mais tu corresponds. Opposition systématique. Mais tu corresponds à ça. Tu passes ton temps à dire non. Mais tu corresponds à ça à fond. T'as mais pas un principe, tu dis non. Tu es pas capable de dire oui en fait parce que c'est mieux pour toi. Mais si, je suis capable de dire oui, mais tu dis tellement ça que quand t'étais enfant, tu t'es senti exister face à ta mère. Et c'est toi-même qui m'as donné. Mais je disais souvent oui à ma mère, qu'est-ce que tu racontes mais... Menteur, tu as dit que ta mère, tu l'as toujours manipulée, t'as toujours fait. Bah oui. Tu l'as toujours emmerdée. Bah, avec des oui. Non, non, non. Tu l'as toujours emmerdée, ta mère, tu me l'as bien dit, j'ai bien retenu, j'ai bien entendu. Ta mère. T'as passé ton temps à la manipuler, à te moquer d'elle. Et je pense que c'est la seule chose qui te fait là, du bien. Là, tu caricatures ce que j'ai dit. Moi, là où j'en suis arrivée, c'est que la seule chose qui te fait du bien, c'est de te moquer des autres. Non, tu caricatures ce que j'ai dit. Parce que je me souviens quand je dis que j'ai manipulé ma mère. Les seuls moments où tu souris, c'est quand tu te moques de quelqu'un. Ah ouais? Le seul moment où je souris, c'est quand je me moque de quelqu'un. On appelle ça le rire. Le rire a toujours une base mauvaise, malsaine. Ceux qui rient beaucoup d'ailleurs sont ceux qui sont très malheureux ou ceux qui se moquent facilement des autres. Wow. Maintenant pour aller plus loin sur ma mère que j'ai manipulée. Oui, j'ai eu tout ce que je voulais quand j'étais petit parce que avec des formules de politesse qu'elle m'a appris, enseignées, j'avais ce que je voulais. C'était de la manipulation. Au-delà de dire j'étais en opposition systématique avec ma mère, il y a plein d'accords que j'ai avec elle, notamment tous les accords sur le fait où quand elle m'a dit ouais, c'est... Non, mais dans un couple, c'est pas normal que l'un va sans l'autre et qu'il propose pas à l'autre. Ce genre de concept, j'étais d'accord avec ma mère, tu vois. Et les trucs où j'étais pas vraiment d'accord avec elle, c'est sur des concepts plus anarchistes, utopistes, tu vois. Enfin, ma rébellion contre le système, j'étais pas d'accord avec elle, où elle voulait que je signe pour avoir plein d'argent. Et toi, tu fais des là pour éviter d'écouter mon argumentaire, tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Moi, je t'écoute et je te massacre derrière parce que c'est trop facile, tu dis n'importe quoi. Et toi, t'es incapable d'écouter les arguments et de répondre aux arguments de l'autre. Donc, voilà, tu chantes la Marseillaise. Chante la Marseillaise. Et du coup, je suis en joie toute la journée.
bien heureux pour toi, chérie. Tout ce que je peux dire, c'est bon vent. N'oublie pas de sortir les poubelles avant de partir. Vas-y, ferme la porte. Regarde ce que c'est de chanter avec cœur et panache des quatre vérités. Tu as tout saccagé, tu as détruit nos vies. Ce doux rêve nourri pour deux pour la vie. Si seulement t'étais moi, soumise au dictacret, pendu dans nos esprits. Depuis bien trop de générations, un jour tu comprendras tout l'amour que j'avais, mais il sera trop tard pour nous voir heureux pour de bon. Moi, bon, c'est vrai que. N'empêche, c'est vrai que quand ça va mal avec elle, je suis plus. Mais c'est ça qui est trop maudit dans les relations humaines. Quand t'es bien et tout, mais du coup, tu deviens feignant, t'arrêtes de créer, t'arrêtes d'être l'artiste, tout ça. Mais quand t'as la douleur au cœur, quand t'as la peine et tout. Comment t'es inspiré, putain, les coupés de la Marseillaise que je lui ai sorti, ça venait vraiment de la passion du cœur. Elle est jalouse de ça, je sais qu'elle est jalouse de ça en plus. C'est vrai que je suis un interprète de merde et que ma voix je la maîtrise pas du tout, mais. Il y a quand même une fibre au fond de moi. Elle l'a vu et ça l'énerve, à un point. Ah si, elle est partie. De toute façon, si j'ai bien compris, le truc que j'ai à faire, c'est que la prochaine fois qu'elle s'en va de la maison, je ferme la porte, double tour, partout. Et moi aussi, j'irai faire ma main courante. Donner de l'amour, tout ce que je peux, etc. Et quand je vois que je suis dans cette mécanique et qu'en face, elles ne sont pas capables de concéder à mes besoins, parce que j'entends mille fois j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais moi quand je dis une fois de temps en temps j'ai besoin, ça c'est mort, tu vois ce que je veux dire ? J'ai taillé un petit cure-dent, une petite allumette, j'ai enfoncé dans la fuite d'eau, j'ai mis de l'époxy, je sais ça tient pas avec de l'eau, j'ai compris l'histoire, et bon,
Et j'ai mis du scotch par-dessus, une sorte de caoutchouc mou appuyé avec du scotch et avec une petite, un petit guide en bois qui comble le trou milieu. Je crois pas que ça va fonctionner. Mais bon. Non, ça fait déjà 4 jours sans jour. 3 jours, 4 jours sans jour. Putain, elle m'a pris les lames, les putains de lames. Elle les a laissées pourrir dans la machin. Les deux plus belles lames de la maison, elle les a laissées pourrir au fond de l'évier. Tu laisses pas mes affaires, tu laisses pas mes couteaux, t'as qu'à te prendre tes couteaux. Là, j'ai dû couper un poulet que ton chien a tué, que t'as amené et que t'as pas retenu et que t'as pas mis l'autorité pour pas qu'il le tue. Allez, reste avec moi, Tara, elle tue même plus les tangs avec moi. Elle en a tué un sous mes yeux, elle a arrêté de les tuer, les tangs. En plus, j'ai même pas goûté à ce poulet, mort de rien. Je mange pas depuis 2 jours, je mange des conneries avec grignotes vite fait. Ah non, ça m'empoisonne vraiment trop, ça. En plus, elle est hautaine, elle vient, elle s'affiche, elle s'impose, elle remplit, quand je suis silencieux, elle remplit l'univers sonore. Faut la même des petits. Ah ouais, t'as même moi quand je fais le carif, je salue pas la cuisine autant que toi. Tu sais que les trucs comme ça à chaque fois. Et moi pendant des semaines, quand c'est elle qui déglace la cuisine, je disais rien et tout, je nettoyais en me disant coopération, n'a rien qui reproche en vie. Mais elle fait 1000 reproches par jour, j'en peux plus. Et oui, ça sera une peine au cœur. Au moins, je lui prends ça. Elle aura pas la peine au cœur. Elle a déjà même plus de cœur. Elle a choisi entre une vie entière avec une nana qui, va se faire tirer à droite à gauche, en bas les couilles de ta gueule. Et là, juste par intérêt pécunier et compagnie. Moi, je préfère prendre ma claque émotionnelle, souffrir des années sans l'avoir. En plus, ce qui est drôle, c'est que merci Audrey, en fait, hein, c'est elle qui a provoqué mon déclic pour me casser de cette île de moi. Ah vrai, pour les Réunionnais, hein, je sais, c'est votre île, c'est votre passion, tout ça. Moi, j'ai grandi à Tahiti. Et quand j'ai vu comment j'ai été accueilli ici, hein, je suis rentré dans ma case, des gars qui m'appellent Frangin et qui m'ont volé. Il n'y avait pas un blanc dans l'histoire. Après, il y a des créoles blancs et tout, je ne suis pas en train de dire que tous les noirs sont comme ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est que... Parce que j'ai hérité et que j'ai ça, les gens me jalousent, ils me volent, même quand tu leur ouvres la porte. À 8, à 2h du mat, s'il te plaît. À la fin, ils étaient 3 en mode agression, pas en arrière, mise en garde, si jamais vous venez, vous êtes 3 à m'agresser, à mon avis. Ils sont partis, ils ont eu peur de... Mais j'étais prêt au combat. Et il se passe quoi? Je me bats contre eux, il y en a un qui trébuche sur l'un des 1000 angles qu'il y avait, parce qu'à l'époque c'était le bordel, il y avait la table partout. Moins de balayettes, c'est une nuque fracturée quoi. Je suis mis en prison pour 3 connards qui volent 50 euros. Et là, je vais avoir des emmerdes. Pourquoi? Pour révolution, pour coup d'état, pour... Non, que dalle. Pour une putain de nana qui vient ici et qui mytho une histoire à fond. Et le pire, c'est qu'elle admet pas ce qu'elle fait. Ou elle l'occulte honteusement. Moi, ça marche pas avec la justice. Moi, je dis tout. Oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, elle m'a fait sauter les trucs. Au premier jour, quand je l'ai embrassé, je lui ai dit, m'embrasse pas si tu n'es pas amoureux, c'est pas sûr, parce que si ça se finit un jour, ça se passera très mal, il faudra que tu partes d'ici. Je lui ai dit ça.
et que je voudrais plus la voir. Je lui ai dit ça. Elle est quand même consommée. Et non, mais ça, c'est vraiment l'exemple de notre relation, enfin surtout de notre conception par rapport à l'autre, quoi. Elle, ses reproches, c'est fainéantisme, paresse, je suis devant l'ordinateur, je guide, comme ça. Moi, mes reproches, c'est pas t'es inhystérique, casse-couille, tu fais chier avec la spiritualité, ta morale, toutes les deux secondes, tu me fais chier à me revenir. Moi, mes vrais reproches, mais le vrai truc qui passe pas, c'est quand madame choisit un plan en tête à tête avec un dallon, alors qu'il y a la galère à la maison, tu vois. C'est quand la nana, elle est pas solidaire, tu vois, et loyale. C'est quand la nana, elle va se baigner au bassin quand Dominique va l'amener en voiture, et encore, faut qu'elle marche jusqu'au bar à chat. Attention, hein. Moi, par contre, s'il faut y aller avec 2-3 coups de stop et un bus ou un bus, oh, que dalle, on n'y va pas, finir. Et c'est moi qui veux rien faire. Le nombre de matinées où j'étais le sac à dos prêt à partir marcher à 9h du mat et elle avait 1000 trucs à faire et qu'on a passé la journée à se coucher, à s'engueuler à la maison, à pas bouger. Ouais, je suis pas bien, ouais, je suis ci, ouais, je suis ça. Mais moi, là, je suis pas bien. Je suis amoureux d'une sorcière. Et j'ai envie de dire, je m'aime assez pour pas laisser mon amour me détruire, tu vois. Donc voilà, je t'ai écouté, chérie. Hein. Faut s'aimer. Je m'aime. J'ai pas envie d'être soumis à une connasse, surtout si elle est à côté de la plaque la moitié du temps. Écouter ma mère il y a 3 semaines. J'aurais dû lui dire c'est fini entre nous, par dès que tu peux, et le plus vite possible. Aller direction la gendarmerie, tout dire. Ça s'est passé, main courante. J'aurais trop dû écouter ma mère. Cette histoire, elle va finir au procès, quoi. Vu comment elle monte les choses en épingle. Explique-moi comment ça se fait que ce soit moi le connard d'un manipulateur alors que elle sait tout de ma vie et que moi elle continue à me dire tu me connais pas. C'est ce que je veux dire. Qui cache ce qu'il est à l'autre? Mon oncle m'a toujours dit, tu sais pas qui je suis moi. Tous ceux qui m'ont dit ça, les salopes. Tu sais qui je suis moi. Pauvre con.
Et je l'empêche de dormir. Tu sais, la connasse là qui met son rock soccer à 7h du mat et compagnie là. C'est moi qui l'empêche de dormir. Parce que je vois mes couteaux pourris dans la vie que j'ai pas utilisé. Et puis, et que c'est mes plus beaux couteaux. C'est pas ma faute, c'est vrai que ça gère d'un psychopathe, j'aime les couteaux, et alors je me fous super fou. C'est la première femme que j'ai touchée. Je vais pas dire je regrette parce qu'elle le méritait. Et franchement, vu ce que j'ai touché, si jamais cette histoire, le fait d'avoir tapoté l'arrière de sa tête, ça m'attire des emmerdes, alors qu'elle m'a mis plusieurs droites dans la gueule, ça me montrera bien ce que ça veut dire sur ce monde de merde. Mais elle croit trop être dans le vrai en plus, c'est pour ça que c'est maladif son truc, c'est pathologique. Elle croit vraiment tout ce qu'elle raconte, elle voit même pas que le diable, le monstre qu'elle baigne et qu'elle presque a l'air narcissique, tout ça. Mais elle l'incarne à l'imperfection, quoi. Il fallait pas me faire croire que t'étais amoureuse, il fallait surtout pas m'embrasser quand t'as vu le fou que j'étais et que moi je suis intègre avec tout ce que j'ai raconté depuis le début, quoi. Et étonne-toi quand je vois mon amour partir en vrac, en vrille, que j'ai plus envie de te voir au quotidien. Et maintenant, c'est ce qu'elle raconte. Parce que maintenant que j'ai fait mes courriers et tout, quand je vais partir et tout, je vais sortir de ta vie, plus jamais je vais te revoir, ça sera trop bien et toi tu vas trop sourire. Elle jouit trop de ça, mec. Et c'est moi le connard. Pas plus tard qu'hier, je continue à dire, mais jamais je te foutrai dehors dans la rue, mais au moins que tu sois loin de moi, quoi. Et il y a de la place en plus ici. Et la nana... Non, elle m'a jamais aimé. Non, mais elle m'a jamais aimé. Elle m'a jamais aimé. Elle n'est incapable d'aimer autre personne qu'elle-même. Je pense pas comme elle, à la perfection. Plusieurs fois, elle me dit, ouais, mais on pense pas de la même façon, ça fonctionnera jamais entre nous et tout ça. Qui est pas ouvert l'esprit. Moi j'étais prêt à le faire avec une nana qui est spiritualité, je trouve complètement niaise et naïve. J'ai le droit de le penser. Ça m'empêche pas de l'aimer. Elle pense ce qu'elle veut. Et du coup, elle m'impose ses pensées. Ah ouais, mais tu te trompes. Non mais attends, déjà. Montre-moi un bel exemple de ta personne en société. À part une petite adolescente hautaine qui insulte les anciens. Hein, des trous du cul parce que le mec il veut pas te laisser sa batterie parce que tu sais pas en jouer et que c'était dans un bar et tu l'insultes de trous du cul et qu'il joue entre eux. Mais attends, avec toi tu les as passés les nuits blanches d'entraînement pour avoir leur talent, avoir leur application. Nombre de sorties où c'est elle qui initie la sortie, qui nous dit où on va, parce que moi je sais pas où on va, moi je sors jamais, je m'en fous de sortir. Une fois sur place, elle critique tout, elle dit c'est de la merde et tout. Et on rentre quand elle veut parce qu'elle s'entend pas avec je sais pas qui, etc. Et ça se passe toujours comme ça dehors, et c'est moi le connard qui l'isole de son cercle. Moi je veux bien qu'elle ait des failles, qu'elle ait des... Mais qu'elle n'ouvre pas les yeux sur ça et qu'elle pète au-dessus de son cul H24 et qu'elle me critique en permanence. Alors que moralement, sur le fond et tout, je suis fiable à 100%. Et qu'elle comprend pas pourquoi moi je le prends mal quand je suis pas invité au bassin de la rivière. Que j'ai autre chose à foutre que de me faire chier pour une fuite et donner l'eau courante à une connasse qui va aller avec Dominique se baigner nu dans un bassin. En me laissant payer les factures. Et à chaque fois, son grand truc, c'est « Ouais, mais quand je t'ai proposé de participer,
T'as pas voulu. Ouais, j'allais pas te prendre des sous, on se connaît pas assez, j'attends juste de voir comment ça se passe déjà. On verra après ta participation. Là, il y a une participation à faire, tu la mets, tu la mets pas, ça veut tout dire déjà. Et pourquoi accepter ton argent pour après que tu me dises juridiquement je paye un loyer, j'ai le droit d'être ici? Attends, bah tu vas foutre. Parce que pourquoi un bonnet? Tu t'héberges gracieusement là où je veux. Et t'as fait un moment que je te dis que j'ai plus envie de toi dans la maison, je peux te mettre le garage à disposition si tu veux, et que tu refuses cette alternative. Parce que j'en ai marre qu'elle touche mes affaires, j'en ai marre de ne pas pouvoir partir et fermer derrière moi, parce que j'ai pas envie de la laisser seule chez moi, parce que... Oh, t'as raison, elle touche tout le temps mes affaires et j'ai plus tourné. Taper paquet de feuilles. J'ai jamais de feuilles. Et en plus, si j'ai pas voulu sur la participation, c'était parce que je sais très bien que quand on te fait économiser un loyer, ben du coup ton RSA te rend vraiment riche. Et on voit un peu comment les gens se comportent une fois qu'ils ont beaucoup de sous. Et j'ai vu comment elle s'est comportée avec beaucoup d'argent. Enfin, pas en beaucoup d'argent, mais en tout cas, ces voitures, elles vont pas avancer. Son indépendance non plus. Elle dort ici sur ses oreilles en disant « Ah, ici, c'est trop bien, c'est tout payé, tout prêt, machin. » Et plus ça va durer en moi, plus j'aurai un pactole derrière. Voilà comment elle raisonne. Et il lui faut des fruits et légumes et tout ça. Je vais arrêter de les raquer, moi, les fruits. Je vais arrêter de tout raquer. Ah oui, elle disait super verbe au lit. Alors, on va raconter un peu une expérience sexuelle que j'ai eue avec elle. Parce qu'elle parle de cette histoire où j'étais pas là. Donc, libre au tiers, écoute, alors, elle a pas voulu que je l'explique quand elle était là, elle a gueulé et tout, parce qu'elle sait que c'est pas pervers. Enfin, c'est bon, après, pour moi, lécher la chatte d'une femme, c'est pervers aussi. Hein. Alors, moi, j'aime pas lécher la chatte. Enfin, pour moi, c'est un acte de soumission. Je suis même pas dans les cas de me suce. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la mère de mes enfants. J'ai pas envie de la dégrader au rang de suceuse. Donc... Bon, elle n'éprouve pas de plaisir au lit avec moi, se disant blabla, je suis trop nul, tout ça. Donc, j'essaye de faire un truc qui lui fasse plaisir. Donc, je me mets en mode sous-marin pendant 20 minutes. Je sais pas, ça dure longtemps en plus. Hein, je m'étouffais dans la bave et tout. En plus, ça me pissait dans la bouche. C'était horrible. Et. À un moment, elle commence à gigoter dans tous les sens, comme elle dit. À chaque fois qu'on s'en va à l'heure, à un moment, elle gigote partout. Bah, c'est pas souvent, c'est pas la même intensité tout le temps, j'avoue. Et après, calme plat, plus rien. Pourtant, t'as respecté le rythme, la cadence et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça s'est arrêté, tu sais pas pourquoi. Hop là, ça. Et que je jouisse ou pas. Hein. Alors après, quand je joue et qu'elle s'arrête en même temps, c'est plutôt sympa. On est excité en même temps, elle joue en même temps, ça arrive une ou deux fois, ça. Mais bon. Après elle dit c'était bien et tout, mais après elle reprend c'était bien, elle dit c'était pour te faire plaisir. Comment satisfaire une nana qui après te dit on s'arrête pendant le rapport, tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est vrai que des fois j'ai largué la sauce rapidement, mais quand ça durait, ça venait d'elle l'arrêt quoi. C'est elle qui mouillait plus, qui était plus excitée. Elle nous dit, c'est l'intention. Ben, j'ai envie d'elle, elle m'attire, je l'aime. J'ai envie de leur faire ressentir du plaisir, je mets toute l'intention dans ça. Moi, je suis largué. Où il est mon problème d'intention? Ah oui, et ce qui était pervers, quand ça leur allait dans une minute de sous-marin et tout, ça m'a excité, j'avais la trique à un moment. Et après, quand c'est tout le temps la même chose et tout, ça redescend, même ça commence à me dégoûter, tu vois, le sous-marin. Et même ça me dégoûtait. Au début, non, c'était un côté excitant quand elle se bougeait. Mais après, quand ça pisse dans ta bouche, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, ça fait chier. Et là, je suis excité et je maintiens mon érection, tu vois, je me touche la bite, je me... Et quand elle arrête d'être excitée,
je lui demande, tu veux qu'on s'arrête ? Parce que je voulais lui apporter du plaisir, on avait discuté l'amour, que c'était pour moi c'était bien, mais pour elle c'était nul, tout ça, donc j'ai voulu faire un acte sexuel qui lui apporte du bien, donc je lui demande honnêtement en plus, tu veux qu'on s'arrête ? J'ai l'impression que tu ressens plus rien et tout maintenant. Et là, elle me regarde, elle fait, tu me dégoûtes. Tu t'es touché. Donc moi, j'ai pas le droit au plaisir, tu vois. Et j'ai pas compris. En fait, si, j'ai clairement compris. Toi, ton problème, c'est que je me suis pas consacré à 100% à toi. Toi, ton problème, c'est que même, et en plus, je me suis consacré... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y avait une main à moi qui était sur moi et tout le reste qui était sur toi. Mais il y avait une main sur moi et du coup, je me suis excité. Du coup, tu vois, la subtilité de la perversion, d'un côté, oui, on peut le dire, ouais, d'un côté, c'est pas pur. J'étais excité, j'avais envie d'elle et je... Et j'avais envie de rentrer, quoi. Et si elle me corrige, si elle me dit, des fois elle me dit enfonce-la moi, moi je suis prêt pour y aller direct, quoi. Et voilà le genre de raison pour laquelle je finis le pieu apparemment. Dans mon adolescence, bon, j'ai pas été une bête au pieu avec toutes les femmes non plus, hein. Très lamentable aussi. Mais quand je l'ai fait plusieurs fois avec une nana, généralement le sexe ça se passait bien, quoi. Quand je la sentais me contracter le pénis avec son machin. Et même elle me l'a fait de temps en temps, le contracter le pénis avec son bordel. Pas tout le temps. C'est vrai que maintenant ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'amour aussi. Dernier acte sexuel qu'on a eu, c'est moi qui m'étouffe dans sa chatte et qui reçoit, tu me dégoûtes. Le mec, il se dégrade à lécher alors qu'il aime pas faire ça pendant 20 minutes ou 30 minutes, je sais pas. Elle arrête de bouger, il lui demande si elle veut qu'on s'arrête parce qu'apparemment elle a fini. Et moi, je suis un connard, un méchant, tout ça. Oula, déjà, je fais un truc que j'aime pas et en plus, je ramasse des insultes derrière. C'est moi le connard, tu vois. C'est moi le connard. Non, mais ce qui est drôle, c'est que quand elle va parler de ma perversité sexuelle au lit et qu'on va du coup... je vais devoir du coup expliquer comment je suis au lit, etc. Et qu'on sera au tribunal et que je vais dire tout ça, ça va faire rire beaucoup de monde en plus, j'imagine. Ouais, ouais, c'est comme les faux, vous voulez pas qu'on se touche, qu'on dorme ensemble, tout ça. À un moment, tu veux pas de moi, quoi. Attends, je vais me branler bien, bien là, comme il faut, j'étais dans le salon. Elle est sortie, elle m'a regardé en cachette et tout, et le lendemain, elle m'a dit, tu m'as dégoûté hier soir. Mais qu'est-ce que tu voulais, hein? tu voulais pas de moi. Comme elle m'a dit, tu me désires trop, comment tu veux que je te désire? Et je connais en plus cette malédiction de la complémentarité. Ce qui est vraiment con, c'est que... On est vraiment fait l'un pour l'autre, hein, en plus. Enfin, elle a plein... J'ai l'impression que ce qui fait chier, c'est que c'est moi qui devrais être sa partie noire, mais j'ai l'impression que c'est elle, ma partie noire. Oh. Comme j'ai... Je sais pas si on peut... Sur plein de points, on se ressemble et j'aurais pu être comme elle et tout, partir en folie, mytho et compagnie, si j'avais été comme ça. Et je comprends pourquoi
elle crée tout, enfin elle gonfle toutes ces histoires, tout ça pour... c'est pas que se donner de l'importance comme une adolescente à la cul. C'est vraiment une logique de survie. C'est plus pratique et plus... on pourrait dire... rentable. Oui, c'est ça, c'est plus intéressant. D'être chez quelqu'un, de partir en couille et de lui mettre des plaintes au cul pour rester le plus longtemps possible chez cette personne à l'œil. Et peut-être même derrière, gratter un billet avec un procès si le juge machin, en poussant à bout le mec à fond, tu vois ce que je veux dire? Et ce plan, elle l'a pas fait qu'avec moi, elle l'a fait avec plusieurs avant de moi. Et peut-être qu'elle le fait même inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand elle te dit, tu sais, la raison dans les combats et tout. Si t'es un expert en armes à feu et que tu tues quelqu'un, tu vas prendre plus cher que si tu n'es pas un expert et que c'était un accident, tu vois. Et du coup, elle veut surtout pas apprendre à se défendre parce que dans ce cas, elle correspondrait plus dans la case juridique de personne qui sait pas se défendre. Par contre, elle entend bien les conseils même si elle les entend pas et elle met des patates de plus en plus puissantes. Hein. Calcule tellement de choses. Mais elle est tombée aussi avec les calculateurs. Moi aussi je calcule beaucoup de choses. Mais c'est pas les mêmes calculs, elle et moi. Moi c'est une balance entre elle et moi pour savoir si on est correct l'un envers l'autre ou pas. Elle ne l'est pas. Le mec il dit il t'aime, il est jaloux, possessif, qui t'a dit tout ça avant même qu'on s'embrasse la première fois. On est en phase galère, pas d'eau, etc. Il y a une fuite à gérer. Et que tu choisis de te faire une journée à te baigner avec Dominique en laissant ton mec dehors, sachant qu'il n'est même pas invité à venir et que vous êtes que deux. Moi c'est le genre de truc super important pour moi, tu vois. Et pour elle c'est normal, mais j'ai envie d'y aller, j'y vais, je suis libre, je fais ce que je veux de ma vie et tout. À partir du moment où ta vie impacte ma vie, ça devient notre vie. Et dans notre vie, c'est ce que nous voulons tous les deux. Le pire dans cette histoire de merde, c'est que dans un autre contexte historique, qu'on aurait vraiment été heureux. En fait, si on avait juste appris aux femmes à se soumettre aux hommes et arrêter d'essayer d'être les plus fortes, d'accepter les défaites à court terme pour avoir les défaites au long terme, les victoires au long terme, car à terme, quand l'homme n'a plus d'énergie, c'est bien la femme qui se met à tout diriger la maison et elle a enfin le pouvoir de domination qu'elle aura toujours rêvé dans sa vie, il faut juste attendre la vieillesse. Et quand l'homme est jeune, il faut le laisser faire, sinon tu brûles son énergie, tu le casses. En plus, vous êtes même pas excité par des hommes qui se laissent trop faire. À un moment, elle m'a sorti, j'étais plus excité quand tu m'as pris et que tu m'as jeté sur le truc. Je sais plus pour quelle raison, elle me donne un coup dans la tête. Enfin, à un moment, elle me frappe. Je la saisis, mon bras qui passe derrière son omoplate qui remonte derrière sa nuque en bloquant l'épaule. Je la soulève d'un pied. Je la plonge sur un lit et je la plaque, enfin sur un lit, sur le canapé, et je la plaque sur le canapé en disant c'est bon, t'as fini là d'être violent.
Et ben cette scène, le soir, je sais plus pourquoi. Je sais plus dans quoi c'est venu, j'ai dans l'expression, j'avais envie de l'embrasser, tout ça, arrêter de faire la guerre encore. Et ma sortie, j'ai été plus excité quand tu m'as pris, que tu me plaisais ta truc. Ça aussi, ça montre quel point. Ah oui, j'ai pas répondu sur ça, moi qui ai manipulé ma mère. Alors maman, hein, si tu m'entends. J'ai eu un bac pour faire plaisir, j'ai eu un diplôme après pour faire plaisir, c'était de la manipulation. En fait, t'as eu un enfant modèle toute la petite enfance pour te faire plaisir. Parce que je savais que comme ça, tu me donnerais ce que j'ai besoin. Et oui, c'est de la manipulation. Je ne l'ai pas fait par gentillesse, en effet. Je l'ai fait par un esprit calculateur. Disons, si je correspond à ce qu'elle projette sur moi, ben alors... elle pourra m'aider et me propulser dans la vie. Chose que tu as faite de manière, on pourrait dire, parfaite, irréprochable. Mais j'ai dû écraser ce que j'étais pour correspondre à ce que tu voulais de ça, maman. D'ailleurs, en fait, c'est toi qui l'as écrasé ce que j'étais en écrasant mon père. Et c'est vrai que ça, je te l'ai jamais pardonné, et peut-être aujourd'hui je te pardonne quand même. Mais si, je te pardonne un jour, je te pardonne. C'est très dur à vivre. Et c'est vrai que dans la relation avec Audrey, quand elle me casse les couilles sur le ménage, ça, ça fait du bien de plus être dans la position de l'enfant qui se casse les couilles par sa mère et dire mais toi, t'es un fou. C'est ce que je veux dire. Donc en effet, sur cette histoire d'Odipien, il y a quand même un fond de vérité. Elle m'a permis de vivre une expérience intéressante. Mais en réalité, ce que font les femmes, c'est sur leurs fils, c'est ce qu'elles n'ont pas pu faire sur leurs hommes. C'est récurrent. C'est pas moi le premier à dire ça en plus. Mais ouais, c'est clairement ça. Pour bien me faire voir, pour lui faire plaisir en société, pour que ses copains disent que qu'elle a un enfant en or, etc. Oui, oui, j'ai joué cette comédie. C'était à ça que je pensais quand j'ai dit à Audrey que j'ai manipulé ma mère toute mon enfance. Après de là à dire que je me suis foutu de sa gueule et compagnie, il y a eu un déclencheur à ça. Elle a tourné le dos à mon père, il en est mort. Et surtout, le problème c'est pas qu'il soit mort, le problème c'est qu'il soit mort loin de moi et que j'ai pas été aux premières loges pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ce que je vis avec Audrey aujourd'hui, c'est justement un peu ce qu'a vécu ma mère avec mon père, sur les incompréhensions. Verbal. C'est contre-naturel pour un homme de se soumettre. Et ça casse les couilles d'avoir fait croire aux femmes que c'était naturel pour les femmes de soumettre leurs hommes ou de ne pas soumettre. Et le fait d'avoir créé la chimère de la femme libre, indépendante, libérée, toutes ces conneries insoumises et compagnie, ça en réalité provoque un malheur et un dégoût, qu'on pourrait dire. Je crois qu'on me présente des femmes libérées, indépendantes, heureuses.
pas des sourires de façade. Hein. Ah, décidément, j'en aurais mis. Ces quelques jours ont été riches de réflexion. Hier, quand elle m'a dit pendant 8 mois, elle a vécu côte à côte d'un ex, Julien. Il pouvait pas se blairer. J'ai dit quoi, ça va durer 8 mois cette histoire? Non, 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 ça dure moins longtemps. Mais merci encore. Avant Audrey, j'avais encore l'hésitation de vendre ici. Non, après Audrey, il n'y a plus d'hésitation. Je vends, je largue tout. Je prends vraiment du cash. J'ai vu à quoi ça ressemblait quand j'avais une carte bleue. C'est plus agréable de vivre quand on n'a pas. Je vends tout. Je deviens vraiment riche à mon coup. Et là, derrière, on fait une chaîne Tilt 2.0 avec l'élection présidentielle. Non, je déconne. Mais pourquoi pas? Bon, avec 3 vies, ok. Et il y aura... Le premier truc que je m'achète dès que j'ai vendu la maison... C'est un camion, les gars. Je m'achète un camion en France. On va voir les copains un peu. On va mettre du fromage sur la table. Sur la route, on trouvera bien une hippie ou deux. De toute façon, fini, plus jamais je tombe amoureux. Et tout ce... J'ai compris, quand t'es amoureux, elle ne le sera jamais. Bravo. Là, c'était le dernier test. Hein. J'ai gardé la maison pour faire ce test, justement. J'ai mis la maison à disposition, je mettais mes frais et tout, je faisais des efforts. J'ai pris une moto qu'il faut pas la faire trop rouler parce que j'ai plein de trucs à faire dessus. Elle a fait des kilomètres avec pour elle. J'ai marché pour elle. J'ai acheté des trucs que j'achète jamais pour elle. J'ai pleuré pour elle. Mais non. J'ai compris, je ne pourrai jamais être amoureux et elle avec le même amour pour moi, ça c'est mort. J'ai compris. C'est pas mal. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu sais, si un jour t'avais besoin d'aller avec une autre femme et tout, je le comprendrais. Hein. Alors ça veut dire, moi j'ai besoin d'aller avec un autre homme, ça serait bien que tu t'en trouves une. Ça veut dire, je t'aime pas et je serai jamais jalouse d'une autre femme. Ça veut dire... Merci Audrey quand même de m'avoir décidé avant. Ma vie va changer après. Elle aura raison aussi sur ça. Voilà, elle a quand même raison. Il y a eu un avant et un après Audrey. Il y aura clairement un après Audrey.